Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Rock. Aujourd'hui les amis, un milliard de choses à voir, la sélection a été dure des sujets pour cette vidéo. On parlera donc d'Edwige, vous me posez tellement de questions sur elle, on va avoir des rapports détaillés sur Edwige. Et surtout on parlera sur de ce teasing à l'américaine que nous a fait Lilith, un teasing de ouf pour ce nouvel event. Au final, qu'un nouvel event, hein. Vous verrez les champions de l'Olympe. Vous verrez cette vidéo, vous l'avez sûrement déjà vue et on en reparlera par la suite. Mais avant cela les amis, si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Et n'hésitez pas également à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne. C'est super simple, il n'y a pas plus simple. C'est le premier lien en description de toutes les vidéos. Donc n'hésitez pas, on y parle de tous les jeux que vous voyez sur la chaîne et bien plus encore. On va donc commencer par notre ami Edwige. Rapidement, on regarde les events. Rien à pop hein, sur les serveurs traditionnels. Je précise bien sur les serveurs traditionnels. Oui, il y a la mise en ligue. Oui, je vais vous faire une vidéo des paris. Les amis, ne vous inquiétez pas. Regardez, on a encore 2 jours 18 heures pour parier. Donc, cette vidéo, vous l'aurez demain sur les paris, sur les choix que je vous dis de faire, que je vous conseille pour qu'on se blinde. Donc, ne vous inquiétez pas. Pour le reste, rien de spécial, toujours notre petit tour gratuit, hop, un petit coup, et on a une petite sculpture d'Edouard. Edouard, on l'a déjà expertisé, donc ça fera 50 pièces. Attardons-nous donc sur Edwige. Edwige, elle est pas mal utilisée en ce moment sur mon KVK. Regardons les différents rapports qui circulent, et ça va pouvoir nous donner un avis, est-ce qu'il faut l'expertiser? Certains l'ont trouvé avant même qu'elle sorte toute naze, on va vite voir ça. Commençons donc par un premier rapport. On a plein de rapports hein, avec différents binômes. Commençons par un premier rapport d'Edwige où elle est simplement face à Attila Chandra. Elle est en défense. Edwige est bien évidemment un commandant de défense. Elle est en défense avec Saladin. Alors là, pour le coup, c'est pas le meilleur binôme à mon avis, Edwige Saladin. On va le voir par la suite. Elle mange Attila Chandra et elle résiste plutôt bien. Encore une fois, Attila Chandra, c'est peut-être pas le top du top, c'est très bien déjà en attaque. Moi, j'attaquerai pas Edwige avec un Attila Chandra, mais ça permet de voir 420 000 des deux côtés. On le voit, Edwige gagne, mais elle gagne de pas grand-chose. Hein. Moins 409 d'un côté, moins 422 de l'autre. Bon, on peut dire, moi de mon point de vue, c'est kiff-kiff. Oh. Ok, Boma. C'est pareil là pour le coup. Donc, je ne donnerai pas, s'il y a un léger avantage à Edwige, mais ça ne me donne pas l'envie de l'expertiser quand je vois ce rapport. Regardons un second rapport. Edwige toujours en défense de porte. Edwige Saladin face cette fois à un Chandra William Ier, Guillaume Ier. Elle se retrouve donc encore une fois en avantage. L'avantage est un peu plus net cette fois, moins 284 000 d'un côté. Moins 396 000 de l'autre. L'avantage donc pour le coup va à notre ami toujours Edwige et un petit peu plus. Pour l'instant, deux combats contre des duos cavaliers qui cartonnent plutôt sur les attaques de structure, à savoir Chandra Attila et Chandra William. Et Edwige gagne les deux fois avec Saladin en défense. Hein, on a bien vu Saladin en défense. On continue donc de voir des screens sur notre ami Edwige et après je vous donnerai un avis à la fin. Edwige Saladin toujours face à encore, et cette fois c'est pas un duo uniquement de cavalerie mais un duo d'archers, Nabucodonosor contre YSG. Alors là je n'ai pas compris ce binôme, pourquoi Nabu YSG? Alors là pourquoi pas Nabu Ramsès, c'est beaucoup plus performant, mais Nabu YSG. Et là pour le coup Edwige elle lui pète la bouche hein, aux archers. Manière assez prévisible, hein. Moins 260 000 d'un côté, moins 515 000 de l'autre. Il n'y a pas photo, là c'est très net la victoire de Edwige. Donc pour le moment, Edwige, hein, 3 rapports, 3 victoires, on a l'impression qu'elle défonce tous les binômes. On continue, Edwige et cette fois YSS. Là, on est un petit peu plus dans le sérieux. Edwige, YSS. Je dis le plus sérieux parce que YSS, il tabasse hein, en défense. YSS, et là, on a Guan Harald en face. Peut-être pas meilleur binôme non plus. Guan Harald, et encore une fois, Edwige gagne. Elle est en défense de structure. Donc pour le moment, Edwige, hein, 4 rapports, 4 victoires sur 4 binômes différents. Sur de la cavalerie, sur des archers, sur de l'infanterie. Est-ce que Edwige serait la nouvelle Zenobia ou la nouvelle Théodora en son temps ou la nouvelle Wu, puisqu'elles ont toutes eu des heures de gloire assez importantes? On continue, je serai un petit peu vénère hein, parce que je viens de monter Zenobia, si Edwige l'éclate, là il y a la rage. Mais bon, continuons et vous allez voir ça.
Edwige Saladin, Attila Takeda en classique. Attila Takeda ne passe pas. Alors évidemment, ça dépend de plein de choses. Ça dépend du stuff, ça dépend des buffs, ça dépend des runes, ça dépend vraiment de beaucoup de choses. Mais là, sur 420 000 des deux côtés, on le voit encore une fois, Edwige est solide et tient la baraque et elle sort largement vainqueur. Moins 292 000 d'un côté, moins 432 000 de l'autre. Tous ces screens de rapport, je pourrais les mettre, et je vais les mettre d'ailleurs sur la partie screen de Rock de mon Discord si vous voulez aller les récupérer. On continue donc, je fais ça tout de suite d'ailleurs après la vidéo, donc quand vous verrez ce record, ils seront déjà en ligne, donc n'hésitez pas à aller les chercher. On continue un sixième rapport à présent, et là on resserre l'écart. Étonnamment, Guan Leonidas fait bonne impression face à Edwige YSS, donc là Jadwiga, je ne sais pas pourquoi il traduit ça en Edwige d'ailleurs, donc là c'est beaucoup plus serré, moins 331 000 de l'autre côté, moins 371 000 de l'autre, donc encore une fois, elle gagne sur bien des binômes notre amie Edwige. Septième screen, là ça se resserre vraiment, moins 9,2 millions sur Edwige en défense de flag, moins 9,6 millions de l'autre côté pour Attila Takeda en attaque, moins 1 million pour Edwige, moins 1,3 million pour Attila. C'est très très serré là, mais on le voit, il y a à mon avis, si on regarde les troupes qui ont été légèrement blessées, il y a 1,3 million d'écart et à la fin en remaining, il y a 1,9 million et 700 000. Donc on peut dire qu'il y a eu autant de renforts des deux côtés, il y a juste eu du heal d'un côté et forcément pas de l'autre. Donc là, encore une fois, Edwige sort gagnante, mais de justesse, mais elle a tenu. Huitième et avant-dernier screen, toujours défense de flag, Edwige face à Sirius Nabucodonosor, second. Et encore une fois, et là, l'écart, il est violent. Regardez, moins 3,5 millions d'un côté, moins 6,5 millions de l'autre. Donc vraiment, là, Edwige, très grosse impression, elle gagne tous ses combats. Dernier screen, hop là, et on arrive donc sur Edwige face au roi du chocolat. Forcément, le boss, le taulier, Xiang Yu, William Ier, donc qui est pour moi en cavalerie actuellement l'un des meilleurs binômes. J'aurais essayé Chandra Xi, moi à mon avis, Chandra Xi, il défonce Edwige YSS, et pour le coup, regardez en puissance, moins 6-6 d'un côté, moins 7 de l'autre. Là, il n'y a pas de défaite, hein, ils ont arrêté tous les deux à temps. Il y a eu plus de renforts d'un côté que de l'autre, hein, donc pour Edwige. Donc Mimix DOV a mieux défendu que les attaquants. Mais au final, aucune défaite de Edwige sur ces 9 rapports que je vous ai montrés. Alors, j'ai des rapports où Edwige perd, il ne faut pas qu'on pense qu'elle est imbattable. Je peux vous en montrer un petit rapport maison, je vais vous trouver ça tout de suite. Je crois qu'il est en favori, oui, regardez, j'en ai même plusieurs. Donc on a un rapport d'attaque où là, bah, forcément, elle est d'un des deux côtés. Donc elle peut que gagner, elle peut que gagner et que perdre. Donc quand on a un Xi Edwige qui attaque, et je peux même vous donner le détail là, puisque le screen, il vient de chez nous. Donc, si on regarde le bonus, si vous regardez de côté, Edwige, elle est expertisée hein, par Misonza. Xi, il est expertisé aussi. Face de l'autre côté, à Edwige Saladin, le binôme que je vous montrais, mais Saladin n'est pas expertisé. Donc, ça joue aussi. Et d'ailleurs, il a fait une bêtise. Il a pris des skins de défense, des skills de défense de ville, notre ami Nedleg. Et il se fait péter la bouche. Hein, moins 4,1 millions de son côté, moins 3 millions d'une autre. Donc, forcément, on a un meilleur rapport là-dessus et Edwige, on l'a bien tabassé celui-là. Est-ce que j'ai un deuxième rapport avec Edwige? J'ai un deuxième rapport avec Edwige. Regardez sur la porte, Gaudi qui attaque et là, c'est sec hein, ce qu'ils ont pris. Moins 20,9 millions pour nous, moins 48,6 millions pour Edwige Wu. Face à ce que je vous ai dit, le meilleur binôme cavalerie en attaque, qu'un Xi Chandra. Et elle s'est fait défoncer, moins 3,5 millions de morts quand on apprend que 1,5 million, blessés légers, 32 millions chez eux, 14 millions chez nous. Donc là, il n'y a pas photo. Et si on regarde les bonus, évidemment, ou expertisé, évidemment, Edwige est expertisé. Les skills ont été bien choisis, mais celui-là, lorsque ce commandant dirige la garnison de votre propre ville, les gars, garnison de votre propre ville, c'est pas une ville que tu défends, c'est une porte.
Donc, à mon avis, sauf si la traduction est mauvaise, ça ne fonctionne pas. Donc, regardons, à tester. D'ailleurs, ça se trouve, c'est une erreur de traduction et c'est moi qui me trompe. Ça serait possible. Hein. Il faudrait que je regarde sur le client original ou dites-moi dans les commentaires ou sur le Discord. Et puis, regarde les bonus. Hein, ils sont très nettement en faveur de Xi Chandra et elle se fait bien défoncer. Donc, non, Xi n'est pas imbattable. Xi, Edwige, non, Edwige n'est pas imbattable. Et on le voit bien, même si je vous ai montré des screens ou des rapports où elle perdait, où elle gagnait, là, sur ceux-là qui sont de mon propre royaume, eh bien, elle se fait bien ouvrir. Donc, pas de regret si, comme moi, vous venez de monter une Zenobia. Hein. Zenobia est toujours la boss. Mais Edwige est finalement pas si mal que ça et a des bons résultats. Donc aussi, si vous voulez la monter parce que vous kiffez ce nouveau personnage, vous pouvez y aller. Ça reste un très bon personnage. Passons à présent, les amis, à ce teasing de ouf que Kevin nous a fait avec ses petits crayons Crayola en papier. Il nous a fait une petite vidéo des familles. Regardons-la tout de suite. Elle est assez sympa. Moi, j'ai bien kiffé cette vidéo. Elle est sortie hier à la surprise générale. Pour une fois, la vidéo sort, elle est en anglais. Ils ne nous la mettent pas tout en chinois ou sous-titrée seulement en anglais. Là, c'est vraiment les textes qui s'affichent en plein milieu sont en anglais. Je pense que les Chinois ont bien évidemment leur propre version. Et regardez, 1, 2, 3 victoires. Hop, des nouveaux modes. Ça a l'air d'être de la balle. Alors, quand j'ai vu cette vidéo, je me suis dit... Oh, c'est trop de la balle, on a un nouveau mode expédition, c'est un MOBA, c'est un League of Legends en 5 versus 5, c'est énormissime, on va surkiffer, il va vraiment falloir qu'on s'entraîne, qu'on ait des nouveaux commandants pour gérer ça, ça va être de la balle. Mais non, en fait, vous allez le voir, c'est un event qui est déjà disponible en fait. Donc comme d'habitude, si vous allez voir, il is coming soon, oui, ça va arriver pour tout le monde très prochainement. En revanche, il est déjà disponible sur le serveur 1002. On va y aller tout de suite. A few moments later. Donc, on se retrouve sur mon compte puissant énormissime à 12452. Oui, j'ai multiplié par 3 la puissance, comme ça en claquant des doigts. Je suis refait. Donc, j'essaye de le monter, en fait, niveau 11. Vous allez voir pourquoi j'essaye de le monter niveau 11. Déjà, pour ne plus avoir de problème quand je vous montre les events à l'avance. Et parce que ce nouvel event, vous allez le voir, qui est les champions de l'Olympe. Champions de l'Olympe. Oui, ce n'est simplement qu'un event. Alors, Lilith nous fait un teasing pas possible, nous fait une vidéo pour nous sortir un event. C'est... Tout le monde pensait que c'était un nouveau mode d'expédition, par exemple, qu'on allait pouvoir le faire H24, que ça allait être de la balle atomique. Eh bien non, c'est juste un event. Vous le voyez, cet event, il dure 3 jours, du 6 au 8 mai sur le serveur 1002. Il va arriver plus tard sur nos serveurs. On va voir les récompenses et on va voir les règles. Pour le moment, regardons les règles. On a vu dans la vidéo le mode de jeu. Regardons les règles des champions de l'Olympe. Le titre fait rêver. Les salles en ruine de l'Olympe témoignent de son ancienne splendeur. C'est beau, j'ai envie de pleurer. Des statues de héros glorieux, de beauté légendaire et de batailles épiques oubliées depuis longtemps témoignent d'un âge oublié. Cette fois, vous réécrivez l'histoire perdue. Il n'y a aucune faute en tout cas, la traduction est nickel. Kevin, tu t'es bien déchiré. Allez-vous vous battre avec la sagesse stratégique pour la Ligue de Délos d'Athènes ou vous délecter de la chaleur et du chaos des combats avec la Ligue du Péloponnèse de Sparte? Et il était dur à dire celui-là, hein. Qui les dieux favoriseront-ils et quel camp sera la divinité protectrice? Décrochant la victoire, le choix vous appartient. Les règles. Là, le blabla, c'est super, c'est les règles qui nous intéressent. Votre hôtel de ville doit être niveau 11. Donc, je vous l'avais dit, vous pourrez difficilement y aller avec vos farms, sauf si elles sont déjà 25 comme les miennes, sauf sur mon compte 1002 bien évidemment. Donc c'est pour ça que je vais le monter, parce qu'on voit que petit à petit, Lilith monte les conditions pour tous les events. On était à 6 tout au début du jour, on est passé à 8, à présent à 11. On le voit bien pour Heroic Anthem, le nouveau KVK, saison de conquête, il faut être même niveau 25. On ne peut plus envoyer des farms qui sont à partir du niveau 16 comme avant. Chaque gouverneur peut déployer 3 troupes. Donc vous pensiez que c'était un MOBA 5-5 avec 5 troupes? Non, 3 troupes. Pourquoi font-ils ça? Là, c'est en faveur des free players parce que tous les joueurs n'ont pas suffisamment de commandants pour déployer 5 bonnes troupes. Donc ça, c'est une bonne chose. Chacune utilisant des unités fournies par le système. Ça aussi, c'est de la balle, mais c'est exactement comme on le voit en fait dans le canyon. Vous ne pouvez pas changer les troupes, ok? Après le début de la bataille, les gouverneurs sont autorisés à équiper des compétences spéciales pour prendre l'avantage en bataille. Là, il faudra voir ce que c'est les compétences.
mais c'est à mon avis exactement comme on a dans, actuellement dans certains events, hein, comme la crise de Ceroli, voilà, que je vous montre là, on a des compétences qu'on peut choisir, on est là-dedans à mon avis. Format de ce champ de bataille, deux équipes de 5 gouverneurs se battent pour le contrôle des drapeaux de l'Olympe. Les occupés octroient des points de façon continue. Typiquement, on est sur du MOBA, hein, sur du League of Legends, du League of Legends Mobile aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme jeu de ce style-là? On en a d'autres, mais ils ne viennent pas en tête. Là, une fois que vous avez capturé un drapeau, Bang Bang aussi, qui est comme ça. Une fois que vous avez capturé un drapeau de l'Olympe, un point de rétablissement à proximité s'activera. Si vous y déplacez vos troupes, vous pourrez restaurer les unités ou ressusciter les troupes tombées. Le rétablissement prend un temps et est interrompu si les troupes sont attaquées ou si elles se déplacent activement. Les troupes tombées réapparaîtront à la zone d'apparition, normal. Sur le champ de bataille, vos troupes auront un marqueur moral. Si leur moral est réduit à zéro, leur puissance de combat sera considérablement réduite. Ça, c'est quand même à voir. Pour finir, vous gagnerez des récompenses en fonction du nombre de victoires que vous remportez. Vous pouvez gagner jusqu'à 3 récompenses. Alors, nouveau mode de jeu, des règles bien précises, bien sympas qui sont faites pour tous. Allons voir les récompenses pour ce nouveau mode. Première victoire, donc 3 victoires, hein, 3 jours pour faire ça, pas de reset à minuit. Première victoire, 6 fois 60 minutes, 50 tomes du savoir niveau 2 et 3 coffres de matériaux normaux, de niveau normal. Ok ? Ok. Alors, je ne sais pas si c'est moi, mais c'est tout naze en fait là. C'est vraiment tout pourri cette récompense. On se dit, bon, c'est parce que c'est le premier coffre. Allons voir le deuxième coffre. Un accélérateur de 8 heures. Un accélérateur de 8 heures. Ok, merci. 20 tomes du savoir de niveau 4. Et un coffre de matériaux niveau épique. Ok, 3 victoires, qu'est-ce que tu vas me donner? Un accélérateur de 15 heures. 5 tomes du savoir niveau 7. Et 4 coffres de matériaux élite, enfin épique. Ok, il n'y a rien. Est-ce qu'il y a un petit coffre caché? Il y a un truc en plus? Non, apparemment, il n'y a rien. C'est quand même tout naze, ces rewards. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Encore une fois, n'hésitez pas à venir en discuter sur le Discord ou en commentaire de la vidéo. Mais là, les récompenses sont vraiment toutes pourries. Alors, on a un nouveau teasing de ouf pour nous annoncer un nouveau mode de jeu. Tout le monde, beaucoup, pensait que ça allait être comme l'expédition, un nouveau mode permanent. Forcément, c'est difficile pour eux de le mettre sur un mode expédition puisqu'on a une inscription et il faut réussir à trouver un certain nombre de joueurs qui souhaitent jouer en même temps. Et même s'il y a beaucoup de joueurs sur ROC, on est de l'ordre de 500 000 hein, joueurs actifs hein, sur ROC, peut-être un petit peu moins actuellement. Donc, ça reste quand même une grosse population. Ils revendiquent plus de 4 ou 5 millions de joueurs. Évidemment, je crois que c'est 6 millions, mais c'est parce qu'ils comptent les doublons. Ils comptent le nombre de comptes créés. Donc, évidemment, moi-même, sur mon compte-là, je dois avoir 15 comptes. Donc, forcément, je compte 15 dans leur base. Donc, il faut prendre, en fait, des chiffres plus précis. Je pourrais vous en parler en vidéo, mais on est de l'ordre, on est inférieur au million, quoi qu'il arrive, et on est de l'ordre de 500 à 600 000 joueurs actifs et uniques actuellement. Et je ne compte pas les serveurs chinois là-dedans, bien évidemment, où là-bas, c'est leur propre écosystème. Donc, on a une méga annonce, un méga teasing pour, au final, un event qui a des récompenses un peu toutes nazes et surtout qui est éphémère. Est-ce que ça va devenir permanent par la suite? On prend les paris, mettez-le en commentaire encore une fois. Moi, je ne pense pas qu'il deviendra permanent à cause des raisons, des problématiques de matcher des joueurs ensemble. On va bien voir d'ailleurs comment ils font le matchmaking par niveau, c'est à 50 millions ou pas. Je ne vais pas vous le montrer tout de suite puisque je ne suis pas encore niveau 11 sur ce compte-là. Mais on va très probablement l'avoir dès lundi, peut-être dès demain. Mais à mon avis, dès lundi sur tous les serveurs. Et là, je vous en ferai une vidéo plus détaillée. On ira voir les skills et je pourrais même vous donner quelques tips. Après, m'être fait péter les dents comme d'habitude. Quelques fois. Retour sur le 12-56 pour finir cette vidéo et qu'est-ce qui s'est passé durant la nuit. On ira voir la semaine prochaine plusieurs KVK, des KVK énormes qui viennent de commencer vraiment de ouf et surtout des KVK Farmville aussi où les mecs ne se battent pas, personne ne se bat. C'est le monde des bisounours, vous allez voir ça, c'est assez étonnant. J'ai rarement vu ça, on ira voir tout ça bien évidemment la semaine prochaine. Mais regardez donc sur mon KVK, alors là j'ai passé la nuit en zone 6, je vais retourner sur le front.
On n'a toujours pas avancé hein, sur ce front-là. On arrive à tenir cette porte-là et de l'autre côté, la forteresse des Tornes est bientôt finie. Donc, on va pouvoir aller s'amuser un petit peu chez eux et commencer à poser des flags et les défendre. De l'autre côté, au sud, vous le voyez, nous aussi, on s'amusait. On a doublé les forteresses. On s'est dit, oh, ça serait sympa si on mettait deux forteresses côte à côte des deux côtés, histoire que ce soit bien plus long pour eux d'avancer. Hein. Et on a même récupéré la porte grâce notamment aussi à nos amis du 401. Je vous montrerai, je vous ai fait un record hier de ce qui s'est passé avec le 401 durant la nuit plutôt qu'hier. Et donc, je vous montrerai ça lors d'une prochaine vidéo. Mais en tout cas, ça se passe bien pour nous de notre côté. Le 401 avance tranquillement. Vous voyez, une forteresse des 166, une forteresse des Evil aussi. Ça avance bien chez eux. Donc, c'est bientôt fini pour le 1177. Pour le 1239 de notre ami la Swagger, malheureusement, c'est aussi bientôt fini au sud. Ils sont en train de se faire manger et de se faire tout détruire. Donc, ce KVK s'annonce bien pour nous, les amis. Vais-je gagner enfin un KVK? On va bientôt le savoir puisqu'on arrive à la fin de cette phase d'ouverture des portes de niveau 7. Voilà, écoutez les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, les amis, comme d'habitude, les amis, n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu. Vous le savez, les amis, ça aide énormément le développement de la chaîne et surtout, ça fait vraiment très, très plaisir, les amis. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. N'oubliez pas, demain, vidéo pronostic Osiris. Est-ce qu'on va réussir à se blinder dès le premier tour? Je vous souhaite un bon jeu à tous. Prenez soin de vous. Faites bien attention à vous, les amis. Et je vous dis à plus sur Rock. Make their head drop.